Bienvenue à la piscine des Tourelles à Paris pour cette étape des Artistic Swimming World Series, l'Open de France. Welcome to everybody at the Artistic Swimming World Series here in Paris. We are come back for this huge event. On est très fiers, très heureux de vous retrouver après quelques mois d'absence, pour ne pas dire quelques années. On est ravis d'être là et dans quelques instants, la compétition qui va démarrer ici avec les duos techniques. Pour m'accompagner dans cette programmation, dans ce direct que nous allons vous faire vivre, eh bien, nous sommes avec celle que vous avez reconnue tout de suite, bien évidemment, la championne du monde, la championne d'Europe, la médaillée olympique, Virginie Dedieu, qui est avec nous. Bonjour Virginie. Bonjour Olivier. Ravi de vous avoir encore une fois à nos côtés. Pareillement, je suis très contente d'être là, enfin. Et c'est oui. Vrai que c'est un bonheur de pouvoir vous retrouver sur cet grand événement, l'Open de France. Donc, enfin, on peut revenir en réel. Exactement, pour vivre de nouveau de belles sensations avec une fois encore un programme chargé et avec de belles délégations programme. Qui vont venir nous rejoindre avec des très beaux programmes comme toujours bien sûr. On aura l'occasion d'en revenir. L'équipe de la FINA avec Lisa Schott, la présidente de la délégation de l'Artistic Swimming, est en train de se présenter sur le podium. Et dans quelques instants, donc, nous allons commencer par les duos techniques. Ces deux années, Virginie, si on peut les résumer, comment les équipes ont-elles pu se préparer? Comment elles se sont organisées? Est-ce qu'elles sont au niveau auquel on peut prétendre à ce niveau de l'année? Alors ça dépend des pays, hein. J'ai envie de dire malheureusement, parce que tout le monde n'a pas les mêmes installations et les mêmes possibilités par rapport à son infrastructure et je pense des obligations ou des contraintes qui ont été données par chaque État.
C'est surtout l'année 2020 qui a été compliquée forcément, puisqu'au début vraiment personne ne pouvait s'entraîner et accéder à une piscine. Donc chacun a essayé de se débrouiller en travaillant à sec, notamment avec les fit-up, la tête à l'envers, beaucoup de visualisation et de petites préparations individuelles chez soi. Donc on a dû s'adapter, elles ont dû vraiment s'adapter dans ce sens-là pour ne pas perdre, parce qu'on sait très bien qu'on perd très très vite la condition physique. Et en plus l'appui, le contact dans l'eau, quand on l'a pas même d'une semaine, c'est vraiment énorme. Donc c'est les mois de mars, avril, mai, juin qui ont vraiment été compliqués en 2020. L'année dernière, pour certains pays, les États ont ouvert la possibilité aux entraînements pour les lister, donc les athlètes qui étaient sur liste de haut niveau. Donc les Françaises ont pu s'entraîner pratiquement normalement l'année dernière. Par contre, en effet, c'est les compétitions qui manquaient, les rencontres, les confrontations avec les autres pays. Et je sais qu'il y a des pays comme le Mexique qui n'ont pas du tout pu reprendre, et c'est pour ça qu'elles sont même pas venues pour le tournoi de qualification, malheureusement. Donc oui, peut-être que le niveau est différent, mais je pense aussi que les athlètes ont vécu la reprise différemment et l'exigence peut-être un peu plus directe. L'attention de l'entraînement se fait différemment, dans le sens où elles sont tellement contentes aussi de retrouver le contact de l'eau que ça peut aussi être bénéfique. Alors on va bien sûr pouvoir voir un petit peu de ce que vous venez d'évoquer, comment tout cela va se mettre en pratique. Je salue pour la première fois les téléspectateurs de la FF Natation TV qui nous accueillent et qui nous reçoivent. Je rappelle à tous ceux et toutes celles qui nous regardent, dites-le à vos amis, c'est gratuit, vous vous inscrivez et vous pouvez nous suivre en direct avec l'ensemble bien sûr des compétitions qui vont être présentes tout au long de ce week-end en natation artistique, mais aussi pour tous les grands rendez-vous de la natation française. Et puis on salue également tous ceux qui nous regardent avec nos amis de la FINA qui sont également au rendez-vous. Le premier duo à se présenter ici, les Bulgares. Exactement, avec les Bulgares qui vont... Alors, nous avons ici donc... Voilà. Antea Cheronokova et Maria Kirkova. Donc je rappelle, on commence par les duos. Le duo, c'est la discipline qui est la plus nombreuse, puisque discipline olympique, il y a 20 duos aux Jeux olympiques. Donc tous les pays se préparent, puisqu'il y a seulement deux filles qui sont concernées, donc ça prend un peu moins de personnes. Donc par exemple, aujourd'hui, la liste est longue, la compétition va être longue, il y a 19 pays engagés. Le duo technique donc est le duo le plus court en comparaison avec le programme libre. Et il y a des éléments imposés que tous les pays doivent absolument mettre. La musique est libre, la chorégraphie autour est libre également. Nous avons donc des éléments imposés à mettre dans un certain ordre, tout le monde doit les mettre. Et autour, elles peuvent faire la chorégraphie qu'elles veulent. Par contre, par rapport au programme libre, dans ce programme-là, elles ne doivent pas faire des choses différentes. Par exemple, être face à face ou se donner la main. Sauf pour le porté qui est obligatoire et la figure de contact. On peut retrouver quelques désynchronisations sur ce duo-là, notamment au début, à la fin de la première figure. Alors, on rappelle qu'on a changé de nom. On s'appelle natation artistique, mais bien sûr, l'exigence de la synchronisation est toujours là. Toujours un peu synchro quand même. Hein. Donc là, c'était un élément imposé, justement, et les vrilles n'étaient pas tout à fait dans le même axe. Donc après, vous aurez l'œil au fur et à mesure qui va s'aiguiser. Donc le même axe, c'est vraiment être dans le même sens, au même moment. Voilà, il y a une grosse différence par exemple de synchronisation pour la dernière figure. C'est dommage vraiment de ne pas finir ensemble. C'est important, c'est la dernière impression. Donc quitte à faire des fautes, il vaut mieux surtout pas la faire à la fin. Duo technique ne veut pas forcément dire austérité, puisqu'on entend que la musique est quand même très dynamique. Oui, absolument. Ça, vraiment, le choix est complètement libre. Donc on peut s'amuser aussi sur le programme technique.
Donc un programme technique avec des éléments obligatoires, vous le disiez. Oui, je les redirai après, voilà. On a le temps de les revoir. Voilà, qui doivent être effectués dans un ordre donné avec ces éléments qui changent en tous fonction des directives de la FINA. Voilà, c'est tous les 4 ans, l'année après les Jeux, c'est-à-dire que l'année post-olympique, donc comme cette année, normalement on aurait dû changer cette année. La FINA se réunit lors des championnats du monde qui ont lieu après les Jeux Olympiques et c'est à ce moment-là que les éléments de tous les programmes, duo, ballet et solo, changent. Voilà, il y aura 19 duos techniques ce matin. On va attendre bien sûr la note des toutes premières concurrentes avec les Bulgares, donc on le rappelle, hein, Antea Chernokova et Maria Kirkova qui vont... attendre dans quelques instants leur note. Deux jeunes nageuses, 2004 et 98, donc elles n'ont pas tout à fait le même âge toutes les deux. Mais voilà, plutôt deux jeunes qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans le circuit. Voilà les notes. Alors, que l'on soit bien précis, oui, parce qu'effectivement, il a été rajouté en ouverture. Et je vous prie de nous excuser parce que c'était une information de dernière minute. Un club voilà, qui a été présenté ici. Donc voilà, donc c'est Isabella Franco et Valentina Orozco voilà, qui sont de la Ligue Vallecuana qui donc, se sont présentés ici. Donc là pour les clubs, puisqu'il y aura une compétition club et une compétition nationale avec les différents pays. Et on va commencer maintenant la compétition avec les pays. Vous le savez, hein, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, Virginie, mais chaque fois on a des clubs qui sont présents, oui. Notamment sur certaines épreuves, ils seront suffisamment nombreux pour qu'on ait un classement club et un classement nation. Donc là, malheureusement, dans les duos techniques, il n'y a qu'un seul club qui est présent. Donc voilà, on vient de le voir, représenté par ce duo. Et maintenant, on va commencer la compétition avec les nations et donc les Bulgares, Antea Chernokova et Maria Kirkova, qui se présentent voilà, pour nous. Je vous prie donc de nous excuser pour cette petite interprétation avec les clubs. Voilà, vous êtes les bienvenus sur ffnatation.tv, la chaîne de la Fédération Française de Natation et FINA TV. Pour suivre ce live, you are watching on FINA TV the duet technical on the Artistic Swimming World Series here in Paris, Open de France. And the first team for this duet technical is from Bulgaria, Antea Chernokova et Maria Kirkova. Voilà, qui commencent elles avec leur premier élément imposé, le porté. Et le deuxième ici, donc vertical, descente, un tour, jambillé, rassemblé, un tour également, suivi de vrille. Donc elles ont mis une difficulté en rajoutant, en continuant la figure derrière. Par exemple, ça c'est pas du tout obligatoire. Chaque élément imposé peut être vraiment indépendant et coupé. Donc forcément, dans la note d'exécution, la note de difficulté, ça peut être tenu en compte. La deuxième figure d'élément imposé avec le ballet leg. Alors je rappelle que les déplacements sont importants dans les programmes. Le bassin fait 30 mètres. Normalement, en compétition de long, sur 25 mètres de large. Ici, le bassin fait 8 lignes d'eau, donc il fait 20 mètres de large. Il est vraiment important d'occuper tout le bassin et de se déplacer. Les juges sont placés de part et d'autre du bassin dans la largeur. Et important pour aller voir et les jurys qui sont de part et d'autre du bassin. Hein, pour aller s'adresser à eux et être vraiment face à eux. Oui. Et que le jury puisse apprécier la difficulté, toujours avec le sourire et le plaisir de se déplacer dans le bassin, mais on sait avec quelle exigence physique ce sport nécessite, parce que c'est véritablement un véritable travail physique que nous proposent ces jeunes filles. Vous pouvez l'admirer actuellement. Voilà,
notre élément imposé. Queue de poisson, donc c'est un barracuda, c'est une poussée verticale suivie de battements écart et rassemblée en un tour en descendant. Grille. Voilà, avec toute la fin du mouvement qui s'est passé avec les jambes à l'extérieur. Avec effectivement ce travail en apnée qui dure, qui a duré. Et on va avoir maintenant les notes dans quelques instants. Les nageurs sont invités à participer au championnat d'Europe et au championnat du monde. Alors oui, cette année, le speaker explique que nous avons deux championnats très importants, les championnats du monde qui auront lieu fin mai, début juin, fin juin, et les championnats d'Europe qui auront lieu au mois d'août. C'est exceptionnel puisque normalement c'est vraiment l'un ou l'autre, jamais on a les deux en même temps. Et comme l'année a été perturbée avec les Jeux Olympiques qui ont été déplacés d'un an, les championnats du monde ont été déplacés également d'un an et finalement les championnats d'Europe ont été conservés. Donc après déplacement des championnats du monde, puis annulation, puisque ils étaient organisés au Japon, à Fukuoka, ils avaient décidé il y a quelques mois de ne pas les organiser. Et puis finalement la ville de Budapest a dû se proposer et nous avons la possibilité d'avoir quand même des championnats du monde à notre plus grand bonheur à Budapest. Et les notes bulgares qui viennent de tomber, 70, 75, 73, avec une exécution à 21,5, 22 pour l'impression, 27, 25 pour les éléments. Virginie, début de compétition. Voilà. Oui, voilà, c'est une moyenne de 7,0. Je rappelle que les notes sont sur 10. Nous avons trois panels de jury que je vous réexpliquerai un petit peu plus tard. Donc, ce n'est pas pour l'instant des notes qui sont très très hautes. Et en effet, il y avait aussi, comme le premier ballet qui est passé, des grosses fautes de synchronisation et de technique. Donc de la technique, c'est de la verticalité, de la hauteur, de la tenue de jambes, la maîtrise de son corps dans l'eau. Donc tout ça a été manqué un petit peu d'expérience. Allez, on va maintenant accueillir le deuxième duo qui dans quelques instants va venir nous rejoindre et qui est en train de se préparer, de se motiver, comme vous pouvez le constater, avec le duo de sans-marins dans quelques instants. Deux filles de 2000. Alors, nous attendons voilà, le départ pour sans-marins qui va venir nous rejoindre. Jasmine Verbena et Jasmine Zonzini, voilà pour la principauté de sans-marins dans quelques instants. Autant que ça se coordonne. On voit Sylvie Neuville qui attend pour donner le départ dans quelques instants. Qui est prête? Oui, Sylvie Neuville est prête, me dit-elle. Du club de sans-marins, Jasmine Verbena et Jasmine Zonzini. Alors oui, cette petite partie, elles ont une petite chambre d'appel derrière qui doivent être les vestiaires, puisque ici les vestiaires dans cette piscine sont assez proches du bassin. Dans les grandes compétitions, on a vraiment une petite salle pour se concentrer spécifique où on voit souvent l'écran pour voir les concurrentes juste avant. Et là, on a le petit passage pour aller jusqu'à la plateforme. Donc, la plateforme, plus communément appelée en France la plage, qui est le bord. Et nous avons, à partir du moment où elles sont là, aux escaliers, l'annonce de leur duo, donc leur premier pas jusqu'à leur pause. Elles ont 30 secondes maximum pour pouvoir marcher. C'est chronométré, parce que si on prend trop de temps, c'est trop long. Donc, alors attention, 30 ouais. secondes. À partir de ce moment-là, voilà, jusqu'à maintenant leur pause, donc elles font ce qu'elles veulent en présentation. À partir du moment où elles sont en pause, ils ont droit de mettre la musique en marche et on a droit à 10 secondes sur le bord de la plage avant de plonger maximum. On a le droit de démarrer dans l'eau. Voilà. À partir du coup de sifflet, la musique va commencer. Au démarrage de la musique, on a 10 secondes. Également le porter, ainsi
assez original, c'est sympa. Et sur Tina Turner. Les gestes qui ont une belle glisse, elles sont déjà au milieu du bassin. Ah, et ça va partir là, premier élément. Un tour en tour, suivi de la vrille. Pareil, petite difficulté derrière avec une grosse figure du coup qui dure longtemps. C'est bien ça. Passer un cap justement par rapport à l'autre duo, il y a un peu plus de maîtrise. Le deuxième élément, la descente en balai leg, remontée. Une jolie petite difficulté avec des obliques et de la vitesse. Top de synchro. Avec cet élément-là qui est vraiment difficile, la queue de poisson avec deux tours, puis un tour rassemblé suivi d'une grille. Deux tours avant les chevilles. Techniquement, c'est un élément qui est compliqué parce qu'on a la jambe vraiment à l'horizontale qui prend toute l'eau. Et le corps a du mal à rester dans la ligne verticale. On va au quatrième élément. Et le barracuda, la queue de poisson. Un petit peu de difficulté sur la grille au demi-tour, enfin le tour pardon, manque de vitesse et du coup de rotation. Ils ont une belle hauteur d'exécution par contre, donc le but vraiment l'objectif, voilà, il y a une grosse synchronisation également. Le but en figure avec les deux jambes en l'air, c'est d'avoir la plus haute hauteur possible, donc la vision du maillot hors de l'eau est importante, même en deux jambes en l'air. Avec l'équipe de San Marin, donc Jasmine Verbena et Jasmine Zonzini dans leur programme, voilà, que l'on a suivi ici. Et donc on va recueillir les notes du jury dans quelques instants. Voilà la coach qui les attend. Et on va pouvoir échanger tout de suite ensemble et à suivre juste derrière, il y aura l'équipe néerlandaise. Voilà, je vous le rappelle, on est toujours en direct sur la ffnatation.tv sur lequel vous pouvez inviter vos amis à s'inscrire gratuitement pour suivre l'ensemble des compétitions de la Fédération Française de Natation et notamment de Natation Artistique. Et puis, bien sûr, sur Fina TV, on suit également. Donc, n'hésitez pas à venir nous rejoindre pour vivre tout cela et tout au long de ce week-end puisque nous suivons les duos techniques ce matin. Mais le programme est loin d'être terminé. Vous le savez, on aura au programme cet après-midi les duos libres. Et puis demain, tout un programme de compétition ainsi que dimanche. La note qui est bien meilleure que l'équipe précédente de Bulgarie, 76-62-34. Ouais, il y a quand même 6 points de plus que le duo précédent. Comme vous pouvez voir, il y a une note d'exécution, une note d'impression artistique générale et une note des éléments. Donc il y a vraiment un panel de jury qui est fixé uniquement sur les éléments, qui note uniquement ça. L'exécution, c'est comment on exécute tout simplement les figures, la technique, comment on arrive à être synchro aussi. La note de synchro est dans cette note-là. Et l'impression, c'est l'originalité, la manière de se présenter, l'interprétation musicale, tout ce qui va être dans l'originalité de ce duo. Alors, les Hollandaises entraînées par Esther, l'Espagnole, qui est en Hollande depuis quelques années. Et c'est un nouveau duo, moi, que je découvre en tout cas, puisque habituellement en senior, c'est nos jumelles qui sont là. Un duo vraiment très très performant.
Et là, elles ont laissé la place pour l'instant, parce que je sais qu'elles n'ont pas arrêté du tout. Elles seront là sur les prochaines compétitions à ce jeune duo. L'équipe néerlandaise, donc Marina Lorenzini et Marloes Steenbeck. Ouais, très jolie plage. Alors il faut savoir qu'on n'a pas le droit, par exemple si elle avait été en équilibre sur sa partenaire, après son équilibre, sans les mains par terre, on n'a plus le droit. Il faut absolument que tout. Les deux nageuses, enfin toutes les nageuses dans la balai d'équipe aussi, est en contact avec le sol. Et elles vont faire parler la foudre, puisque c'est le nom du morceau, Thunder. Le porté. Duo qui s'est vraiment bien déplacé, vous pouvez peut-être pas forcément voir sur votre écran, elles sont dépassées déjà le milieu du bassin. Une belle vis, une belle énergie, un élément imposé, toute petite différence de synchronisation sur rassemblé, mais pas mal au niveau de l'exécution de la verticalité. Qui est assez original, il est assez riche. Et voilà, là vous aviez une double balai leg, descente remontée en flamenco, ça s'appelle, avec une jambe pliée, une jambe tendue et fini balai leg. Alors, encore une difficulté là avant cet élément là qui est vraiment pas évident, un contresens. Ouais, c'est pas mal du tout ça. Joli oblique en vrille. L'avant-dernier élément. Bien sûr, sur cet élément, l'objectif de la fin, c'est d'avoir le grand écart à la surface, donc la souplesse en natation synchronisée est très important. La queue de poisson volant. Elle manque un petit peu de hauteur, là, sont juste au-dessus du genou. Mais bon, c'est difficile à la fin. Avec une musique qui a été très très reprise en synchro, mais qui marche vraiment bien parce qu'elle est dynamique, elle est variée, elle est riche. Et c'est ça qui est important de trouver comme style de musique pour pouvoir faire des chorégraphies intéressantes. Ah oui. Belle satisfaction visiblement avec la remplaçante, hein, Nord Reichen et la coach qui les accompagne. Alors, les nageuses de 2003-2005, on vient de nous dire qu'elles se sont passées 8e au championnat d'Europe junior. Voilà, ça c'est l'avenir de la natation artistique, c'est ça. On est sur des transitions. Hein. Il y a quelques années, on avait l'habitude de voir les grands noms que vous avez pu coacher, vos amis Ona et autres, qui maintenant ont passé la main, voilà. Et maintenant, ce sont les jeunes filles qui ont suivi. Et cette nouvelle génération, qu'est-ce qu'elle vous inspire, Virginie, quand vous les voyez, ces jeunes filles qui arrivent maintenant, c'est 2003, c'est 2005. Beaucoup de vitesse, je pense que quand d'année en année, c'est vraiment ça qui prime à chaque fois, de la vitesse. Après, la technique, l'exécution, c'est aussi des étapes, ça dépend des pays, comment ils se préparent également. Mais de manière générale, je trouve que ça va de plus en plus vite. Et bien entendu, après chaque Olympiade, il y a des objectifs différents suivant les pays, suivant les nageuses. Donc il y a un gros turnover l'année juste derrière. Ouais.
La note 80, 96, 74 pour les Pays-Bas. Alors, on monte encore de 4 points. Hein, ouais, ça monte encore, voilà, exactement. Duo. On est monté de 6 points, maintenant on monte de 4 points. Donc, du coup, le prochain c'est 82, hein, normalement, si j'ai bien compris, pour Israël. Qui va venir juste après. Alors, plus sérieusement, effectivement, on a franchi la barre des 80, là. Hein. Tout à fait, donc une moyenne de 8-0. Ouais, ça commence à être, en effet, des techniques un petit peu plus imposantes et sérieuse entre guillemets. On va continuer bien sûr à vous offrir ce programme de duo technique. Bien sûr, si vous avez envie de suivre l'ensemble des compétitions, n'hésitez pas bien sûr à prendre connaissance du programme sur le site de l'ONA, l'Open de France de natation artistique. Et arrive maintenant dans la piscine le prochain duo. Deux duettistes venus d'Israël qui arrivent voilà, ici avec nous, Shelly Robritsky et Ariel Nassi, qui seront avec nous dans quelques instants pour nous proposer leur duo technique. Israël toujours présent, quasi tous les ans sur l'Open de France, une nation qui a toujours été aux avant-postes ici dans le cadre de cet Open de France de natation artistique. Aidé également par Anna Tarès encore cette année. Grand entraîneur de la natation artistique qui a donné de grandes championnes. Elles, par exemple, elles ont bien profité de leurs 30 secondes en présentation. Les grandes nageuses. La sortie de l'eau est toujours un peu compliquée. On a du mal à avoir un repère quand on a plongé et retrouver la surface de l'eau. Donc là, il y a eu un petit désaccord de sortie des pieds. Elles n'étaient pas tout à fait ensemble. Mais en effet, des fois, on peut être un peu trop à la surface ou pas assez. Donc c'est toujours un petit peu compliqué de bien sortir ensemble quand on fait une poussée, pas de rétro-pédalage, mais de jambes en tout début. Donc vous avez pu voir, elles n'ont pas encore fait le porté. Le porté peut être placé où l'on veut. Contrairement aux éléments figures qui sont vraiment à garder dans le même ordre. Jusque là c'était bien synchro, là il y a encore une petite faute de synchro sur cette figure. Et puis, difficulté derrière l'élément. Elle se déplace bien aussi. C'est plutôt des nageuses d'expérience ces deux nageuses là. Poisson, attention, elles sont vraiment proches. Le risque, c'est de se cogner et justement de créer une désynchronisation sans faire exprès. Elles se sont un peu rapprochées sur la brique, mais ça, du coup, ça va. La musique dynamique, c'est ce qu'elle nous évoqué lors de leur répétition. Leur objectif, c'est les Jeux de Paris 2024 et elles veulent aller très haut et être très dynamiques comme leur musique. C'est pour ça qu'elles l'ont choisi. Alors oui, hein, dans quelques années, la France accueille enfin les Jeux Olympiques, donc on en est très fiers. On a beaucoup œuvré pour pouvoir les avoir et je crois qu'il y a beaucoup de pays qui sont heureux également parce qu'on va vraiment créer une grosse fête. Il y a énormément de choses qui vont se faire différemment des jeux, voilà, comme par exemple la possibilité de faire un marathon sur les lieux de la compétition. Donc, il y a une inscription qui se fait déjà depuis quelques années. Donc les Français peuvent participer aux Jeux Olympiques. Sur le même parcours que les concurrents du marathon, effectivement. Donc si vous avez envie de faire le même parcours que Kipchoge, bon, peut-être pas dans le même rythme. Hein. Voilà, si vous êtes à 2,30 du kilomètre, bah, vous pouvez toujours tenter l'aventure. Et voilà, on voit Natas, on voit l'équipe israélienne qui en termine ici. Et qui, donc on vous le disait, ont pour objectif de bien performer lors des prochains Jeux Olympiques ici à Paris.
pour l'instant, avec ce programme, vous diriez que c'est potentiellement un rêve qui peut devenir réalité ou... Se qualifier pour les Jeux, oui, tout à fait. Il y a vraiment des éléments qui étaient bien exécutés dans la technique, dans la tenue, dans la maîtrise. Il y avait encore pas mal de petites fautes de synchro. Et après, sur les, par exemple, l'avant-dernier élément, le dernier, les verticales étaient un peu fragiles, ça bougeait un peu, ça faisait pas de la solidité. Donc il y aura encore un peu de travail là-dessus. Alors on va attendre les notes pour ce duo israélien ici à Paris dans le cadre de l'ONA. Et à suivre juste après l'autre duo bulgare qui viendra de nous rejoindre ici. Deux duos bulgares au programme de ces duos techniques. Je vous rappelle qu'il y en a 19 au programme ce matin. Et puis nous aurons les duos libres cet après-midi. Voilà, les deux jeunes compétitrices israéliennes qui viennent reprendre place sur la plage de départ, mais cette fois-ci pour attendre leurs notes. Donc ils sont de 2001 et 2003. Alors, on va attendre voilà, les résultats. On a une originalité de podium derrière, dans le désordre, 2-3-1. Oui, voilà, là on est. Voilà, le 3 sera au milieu. C'est pas encore en place. C'est pas encore mis en place, puisque les cérémonies protocolaires que nous aurons l'occasion de suivre tout à l'heure. 82. Voilà, ça sera dans l'ordre tout à l'heure. 82, bah voyez, c'est ouais. Ce qu'on avait dit. Ça on reste dans la logique voilà. Pour l'instant, après ce qui n'est pas points, du tout. 4 points, 2 points. En effet, réellement, la logique, puisque les programmes techniques. Avant les finales, c'est un ordre de passage aléatoire qui est prévu sur les 19. Hein, c'est un tirage au sort, donc les meilleurs peuvent très bien passer au tout début. Donc là, en effet, ça augmente et ça progresse au fur et à mesure, mais c'est un pur hasard. Allez, 83 points donc, pour la prochaine équipe bulgare. Hein, c'est bien ça, hein, si j'ai bien compris le principe. Non, je rigole. La Bulgarie qui va venir se présenter à nous dans quelques instants. Néanmoins, on constate qu'effectivement le niveau monte petit à petit, donc tout à fait. Malgré l'ordre aléatoire pour l'instant, eh bien, en tout cas la performance est au rendez-vous. Si de mieux vous rejoignez, voilà, c'est de mieux en mieux et c'est toujours aussi constant. Par contre, dans les commentaires techniques avec Virginie Devieux, ça ne change pas. Alors nous pouvons d'ores et déjà vous prévenir qu'on aura un duo français avec Oriane, Romane et Sacha en remplaçante, qui représente les juniors, l'équipe de France junior. Ce sont des filles qui s'entraînent à l'INSEP depuis cette année. Ouais, malheureusement l'équipe de France a été un petit peu décimée, voilà, avec le Covid peu de jours avant le début de la compétition, ce tout qui nous fait. Empêchera de profiter des duos et des duos seniors et de l'ensemble. Alors peut-être le dimanche, on aura la chance d'avoir le ballet, mais le c'est ballet. Vrai que du coup, on devait avoir le nouveau duo français avec Nastia et Daria qui devaient nager en duo technique et malheureusement, une des deux a eu le Covid il y a quelques jours, donc elles ont été obligées de déclarer forfait. Les Bulgares, donc Nia Kirlikova, Anastasova. Avec un joli porté, vous avez pu voir la technique là, la fille d'en dessous portée avec les pieds, on peut porter avec les mains, il n'y a pas de souci, donc c'est vraiment comment elles sentent le mieux leur technique. Gros travail en dessous de l'eau avec les jambes à la surface. Et donc vous avez pu voir, la fille a fait un espèce de petit salto par les pieds. Vraiment ça, c'est une grosse avancée, une grosse progression depuis quelques années où les filles, même en duo, arrivent à sortir entièrement au-dessus de l'eau. Et notamment avec l'arrivée du duo mixte, on a vu que c'était possible avec la force d'un garçon et finalement les filles ont persévéré et ont réussi à le faire également. Vous faisiez remarquer depuis quelques années, il y a aussi ce travail avec les gymnastes et les équipes de chorégraphie qui sont de plus en plus physiques et sportives. Hein. Avec les entraîneurs d'acrosport, oui, chez nous en France, on travaille depuis très longtemps avec Jean-Luc Boyeux. Aujourd'hui, c'est un ancien gymnaste aussi qui a pris le relais à l'INSEP, Cyril Vieux.
Et en effet, les techniques sur les portées, on pourra le voir en ballet d'équipe, hein, avec le main à main, les prises carrées viennent vraiment de la gymnastique, de l'acrosport, du cirque. Et on essaye vraiment d'adapter ces techniques-là dans l'eau, sachant qu'on a toujours bien sûr un milieu mouvant, puisqu'on n'a pas le droit de toucher le fond, il est beaucoup trop loin également, mais si on touche le fond, on a des points de pénalité. Et c'est très important d'avoir ces appuis naturels avec le rétropédalage et une très bonne coordination entre les filles pour arriver à sortir le plus haut possible les voltigeuses de l'eau. Donc un duo qui va être un petit peu plus faible. Hein. Là, je ne parle pas trop du duo qui est en train d'être exécuté devant nous. Beaucoup moins de vitesse que les deux derniers duos qu'on vient de voir passer. Là, vous voyez les jambes qui bougent un petit peu, qui dandinent. L'idée, c'est d'être hyper solide, hyper droit. Donc, techniquement, c'est un petit peu plus faible que ce qu'on vient de voir. Et le dernier élément qui est pas mal du tout, par contre, sur la verticale, vous pouvez voir quand elles font le battement, elles ont la tendance d'avancer le corps en fermant avec le battement qui arrive. L'idée, c'est vraiment d'ouvrir pour rester vraiment à une verticale parfaite. Avec les épaules également. Allez, on va découvrir les notes dans quelques instants pour Dalia Penkova et Nia Anastasova pour la Bulgarie, entraînée par Galina Georgieva sur cet Open de France de natation. Voilà, la coach qui est contente, qui leur sourit, voilà, et qui va les accueillir comme il se doit dans quelques instants. Alors, on va voir les notes. Est-ce qu'on continue notre dynamique? Peut-être être un petit peu moins bon que ce qu'on a vu précédemment. Oui, normalement, hein, ça devrait être un petit peu plus faible. À suivre. Donc, et juste derrière, un duo suisse. Note voilà pour les Bulgares qui oui effectivement sont un peu plus basses. C'est un euphémisme, petit point de moins, 72 63 26. Voilà, on redescend de ouais. 10 points, ouais, carrément. Je regardais sur les notes. 72 63 26, ouais, c'est un peu, ouais, c'est un peu en deçà même de ce qu'elles ont fait à Kazan en 2021. C'était leur meilleure performance en 74 points, ouais, donc, voilà, un peu plus faible. La Suisse toujours au rendez-vous de cet Open de France de natation avec Ladina Lipuner et Sophie Lipuner qui vont venir nous rejoindre, et c'est Chiara Carmignato et Alissa Radouk qui les entraînent. On va les retrouver dans quelques secondes pour ce duo technique. Les Suisses toujours bien présentes. Hein. Oui, après elles auraient tort de ne pas venir, elles sont pas loin. Effectivement. Il n'y a pas non plus. Alors normalement, l'Open de France fait partie des étapes du World Series FINA. Des étapes de la Coupe du Monde. Normalement, il y a 10 pays organisateurs. Et pour avoir la possibilité d'être dans le classement final, il faut que les pays aient au moins participé à 4 des World Series. Cette année, on a commencé avec 2 World Series, le Canada et les États-Unis, qui ont été faits en virtuel, où les Françaises ont participé. C'est-à-dire que chaque pays sont restés dans leur propre pays. Elles ont été filmées en conditions compétition. La vidéo a dû être envoyée dans un laps de temps très court et les résultats ont été donnés un petit peu plus tard. Et je ne pense pas que cette année il y ait 10 pays qui puissent organiser les World Series, une compétition comme les Open de France qui a lieu en réel et en Europe, c'est très 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 important. Alors on retrouve la dynamique là avec les Suisses qui ont fait une très belle première figure. Hot, bien exécuté. L'élément double balai leg, très belle hauteur également. Là, vous pouvez voir, hein, la précision, la montée de jambes rapide et l'arrêt surtout sur les lignes à chaque fois. Très bon déplacement également pour les Suisses.
j'ai manqué de poisson avec la jambe qui est un petit peu trop montée. Normalement, ça doit être vraiment l'idéal, c'est d'avoir les fesses à la surface. C'est pas trop possible. Et le pied à peine relevé au-dessus de l'eau. Et là, le pied était un tout petit peu trop relevé. Ils sont un petit peu éloignés également. Sur cette figure, elles se sont bien rapprochées. Plus on est proche et plus la pression de synchronisation est forte également. Ça aussi, c'est vraiment propre. Alors propre, quand je parle de propreté, c'est qu'on a le moins possible de bouillon. Les jambes sont très hors de l'eau. Pareil pour les bras, on essaye de toucher le moins possible l'eau. Et du coup, c'est ça qui montre la maîtrise et la hauteur et du coup la force. Voilà, belle dynamique pour finir. Et chaque année, effectivement, je me surprends, Virginie, à vos côtés, à être d'avoir un niveau d'exigence sur les... C'est normal. Non, pas spécialiste, mais d'avoir un niveau d'exigence et de considérer qu'il faut un certain niveau quand même pour participer à cet Open de France. Donc on est de plus en plus exigeant, comme vous l'êtes. Vous l'avez été pour vous l'êtes pour les autres. Et du coup, eh bien, effectivement, là, il y a eu un beau final pour les Suisses. Oui, oui. Très bien. On va voir ce que le jury en aura pensé dans quelques instants. Ouais, au niveau individuel, donc exécution, pour moi, c'est un des meilleurs duos qu'on ait vu là de la compétition. Elles maîtrisent leurs faits et gestes. Ladina Lipuner et Sophie Muntener, entraînées par Chiara Carminiato et Alisa Radouk, voilà, qui vont recevoir leurs notes dans quelques instants. Ouais, ça remonte. Alors, ça ne sera pas suffisant pour prendre la tête, mais elles prennent la troisième place. 79, 79, 80, 79, 79, 80. Pour nos amis suisses. Elles sont derrière les Israéliennes et les Hollandaises. Exactement. Voilà pour les Suisses, le programme. Voilà. Et maintenant, on va repartir. Alors qu'il neige sur Paris, nous dit-on, eh bien, on va partir en Finlande. Voilà, vous voyez, on est raccord avec le prochain duo qui va venir nous rejoindre. C'est dingue, hein. C'est très surprenant, on est en train de voir la neige tomber ici à Paris. Moi je viens d'Aix-en-Provence, il faisait pratiquement 20 hier. J'y étais il n'y a pas très longtemps, et donc on a pu en profiter effectivement. Nous pensions être sortis de l'hiver et bien que nenni. Voilà, donc on va repartir, donc, je vous disais, en Finlande avec Pija Keki et Vera Samanen qui vont venir représenter donc la Finlande. Quelques instants avec un thème plutôt mexicain-spanish, ça va nous réchauffer. Voilà. Mexicain-spanish. Oui, exactement. Voilà. Et sur la musique de Coco. Ok, Le dessin animé. Oui, exactement. Je sais que vous êtes fan. J'ai des enfants. Voilà. Mais j'aime beaucoup. Et vous aimez beaucoup. Je crois que vous avez un abonnement spécial pour la chaîne du même nom. Je ne dirai pas de qui il s'agit. Mais on sait que les thèmes des comédies musicales Disney sont souvent des sources d'inspiration pour... C'est des musiques qui sont riches, absolument. Ouais. Ah, jolie originalité ici. Avec des... Alors, elles ne sont pas extrêmement souples, mais c'était vraiment sympa. Il y a du coup un petit changement d'axe de portée qui manque un petit peu de hauteur. Par contre, clairement, la musique est assez dynamique en arrière-plan, pas forcément sur la voix, mais justement, les filles ne vont pas assez vite, à mon sens, par rapport à la musicalité. Là, elles reprennent un petit peu de vitesse, mais le début était un petit peu lent. Manque d'axe, là, vraiment, gros problème de synchronisation, rassemblée qui ne s'est pas exécutée dans le bon axe. Des nageuses qui
un petit peu en retard et manque aussi un petit peu de hauteur. Ouais, ce que vous évoquiez tout à l'heure avec cette nouvelle génération où normalement il y a plus de dynamisme, plus de rythme, et là effectivement ça en manque un peu. Elles ont fait un parcours, elles ont fait une très belle première longueur avec un beau déplacement et la deuxième longueur a eu du mal à continuer, se sont arrêtées un petit peu au milieu du jury. Voilà, c'est important aussi de finir les longueurs et plus on va montrer d'aller-retour et plus on monte de la force également. Allez, attention à la synchronisation de ces deux jeunes filles. Pas mal pour le dernier élément, c'est difficile, hein. C'est un élément qui demande beaucoup de dynamisme, d'énergie, et il est posé à la fin, donc c'est une grosse difficulté, et elles l'ont pas mal exécuté du tout. Les Finlandaises sur le thème de Coco. Tiens, une dernière figure également qui manquait de synchronisation. Mais le dernier élément qui a donné une bonne note. Les coachs Mira Elmio et Iris Lucenius, voilà, qui attendent leurs deux concurrentes. Alors, on va pouvoir reprendre nos blind tests musicaux, oui. Virginie, avec donc Coco. Donc là, je vous ai donné la réponse tout de suite. Le nom avant. À partir de maintenant, je ne donne plus rien, je ne donne plus d'infos. À suivre dans quelques instants, la République tchèque, juste après la Finlande. On aura. On va avoir les notes, bien sûr, des Finlandaises qui va arriver. Les notes vont arriver. Et la note 68-95, oui, effectivement, comme vous l'évoquiez, c'est en deçà. On s'habitue, hein, à avoir du rythme, on s'habitue à avoir du mouvement, on s'habitue à ce que les duos nous surprennent et nous proposent des choses de plus en plus dynamiques. Et là, on était un petit peu sur notre fin, on était un petit peu en deçà. C'est un pays qu'on a l'habitude de voir, mais souvent qui change régulièrement de nageuse, donc c'est forcément difficile de progresser, d'avancer et de se retrouver au milieu des meilleurs. Ouais. C'est normal. Et ouais. La République tchèque maintenant à l'honneur avec Karolina Kusnova et Aneta Zarkova, pardon, pour l'équipe de la République tchèque. Ah, alors, je n'ai pas le nom du morceau pour le moment, Virginie, mais on nous parle d'un thème sur les marionnettes. Alors, souvent, on a des indices sur les maillots. Des fois, on le sent tout de suite, hein, que c'est un maillot espagnol, que c'est un maillot à thème. On peut voir des têtes de poupées. Enfin, voilà. On arrive à des fois comprendre le thème sur le maillot. Là, pas spécialement. Il est très joli, classe. Et on ne va pas avoir d'informations thématiques. Sur ce maillot-là. Non, pas pour le moment. Je me souviens des maillots de l'équipe de France qui étaient très, très imagés. Alors, le thème des marionnettes avec la République tchèque, on va voir ce que ça nous donne. Alors souvent, hein, les duos commencent par le porter, forcément pareil, hein, ça demande beaucoup d'énergie, donc c'est plus facile quand même de le faire au début. Donc quand les filles le mettent à la fin ou au milieu du ballet, ça devrait être un plus. Jolie maîtrise sur les éléments imposés, le premier élément. C'est pas très rapide, mais par contre, c'est bien ensemble. Ah, un petit peu sous l'eau,
Il y a une des deux nageuses qui a mis ses deux pieds sous l'eau. Normalement, doit rester les chevilles à la surface. La queue de poisson qui n'est pas très à la verticale. Donc pour vous expliquer là où on peut voir les différences, donc en effet les deux jambes sont normalement censées être à 90 degrés au maximum. La jambe à la ligne est à la verticale et là elle était un petit peu dans le dos. Donc elle dépassait la ligne verticale. Donc au niveau de la note de l'élément, c'est un petit peu plus faible que dans ses parties. Rassembler Nova qui est une grosse difficulté, était pas mal du tout. On passe du cambré, demi-tour rassemblé en vertical. Les appuis sous l'eau changent énormément et c'est vraiment compliqué. Pas trop mal pour l'élément queue de poisson. Avec une belle suite pour la dernière figure. Dans l'ensemble, assez bien exécuté en synchronisation. C'est une des filles qui... Enfin, un des duos qui a donné son élément assez tôt dans le balai. Ça leur a permis de faire une assez grosse figure derrière, suivie d'une sortie et encore d'une petite figure pour la fin. Le duo de la République tchèque donc avec Karolina Kluskova et Aneta Mrakova qui donc, sont en train de sortir du bassin alors que vous avez repéré l'équipe des États-Unis qui est là avec nous. Hein. C'est toujours exceptionnel d'avoir les Américaines avec nous. Qui sont en train un petit peu de regarder comment se passent les duos, les passages des autres équipes. Oui, c'est important hein, de regarder. Alors, les deux filles là qui sont là, elles sont pas en compétition puisqu'elles sont habillées en maillot d'entraînement, bonnet, lunettes. Donc ce ne sont pas des filles qui vont participer là dans quelques minutes à la compétition, mais elles regardent en effet le niveau. On jauge un petit peu l'ambiance. On se met dans le bain comme ça. On a pas mal de duos suisses hein, qui participent. Après les Françaises, il va y avoir deux autres duos suisses. Les notes pour la République tchèque, Virginie, 75, 96, 74. Je trouve ça un petit peu faible quand même par rapport aux éléments imposés. Le jury a été sévère. À suivre la Serbie. Qui déplace à la cinquième place. Ouais, cinquième place pour la République tchèque. Et la Serbie qui se présente maintenant et qui va venir nous rejoindre. Avec Nevena Dimitrijević et Jelena Komšić. C'est une galette de musique de transition proposée par la Sono Duotech. Alors. Alors on n'a pas parlé aussi des maillots, je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure. On peut voir aussi sur la tête les chignons. Comme toujours. On pose généralement ce qu'on appelle une coiffe, donc qui reprend bien sûr les couleurs du maillot, qui peut avoir une forme posée sur le crâne et pas seulement sur le chignon. Là elles ont fait le choix d'avoir juste une résille de la même couleur que leur maillot. Une résille a fait un petit filet, oui une résille, juste qui entoure le chignon. D'ailleurs, vous pouvez en trouver avec mon partenaire maintenant dans les magasins. On en fait de couleurs différentes. Oui, effectivement, qui sont partenaires de cet événement. Ils sont présents il y a un stand, en effet. Et qui sont de plus en plus dynamiques sur la discipline de la natation artistique. Oui, on essaye de trouver des éléments, des outils pédagogiques et il y a en effet des maillots spécifiques. Allez, on reprend un petit peu de la vitesse également. Là, une très très belle glisse avec ce duo-là qui a déjà fini sa longueur, pratiquement. Allez, qui fait son premier élément, qui a été devancé par une figure, donc mise en condition plus difficile. Et une grosse figure hein, sur cet élément-là, avant, après. L'apnée est de plus en plus court par rapport à l'historique, vraiment, où...
les années 88, Séoul avec Muriel Hermine, où les premières longueurs étaient pratiquement faites tout en apnée avec la première figure, jusqu'à moi aussi, où voilà, on avait des apnées de 40-50 secondes, c'était énorme. Et en fait, les balais ont été raccourcis, et du coup, on a voulu mettre même le même nombre de figures dans un balai. Du coup, les figures, forcément, ont été obligatoirement plus courtes. Comme la vitesse a pris aussi le pas, bah, l'apnée est forcément moins possible en termes de longueur. Donc, c'est des périodes de 10 secondes, 20 secondes maximum. Et là, c'était une grosse figure qu'elles ont proposée. En revanche, vers la fin du morceau, il y a une grande partie où les nageuses restent sous l'eau très, très longuement. Hein. On l'a remarqué depuis le début. Sur la dernière figure, c'est un petit peu plus long, en effet, mais on n'a pas une période de 40 secondes d'apnée. Ouais. En tout cas, c'est toujours impressionnant ce travail. Voilà, les nageuses qui reviennent maintenant, vous le voyez, hein, le travail qui... Et là, elles font leur portée, vous voyez, pratiquement au milieu du duo. Donc c'est pour moi une belle difficulté de l'avoir posé là. Il était bien exécuté en plus. Et l'élément Nova, le fameux demi-tour qui est compliqué, demi-tour après en vertical, ouverture écart et fin de promenade, ça s'appelle rassembler du grand écart au cambré déroulé. Voilà, le dernier élément qui est un petit peu plus difficile. Ah, une jolie fin pour ces nageuses. Le duo serbe voilà, qui en termine pour cette version acoustique d'un film Quentin Tarantino, de Pulp Fiction. Elles ont évolué sur la musique du film Pulp Fiction. Ah bah, je dis pas de bêtises. Elles ont participé au tournoi de qualification des Jeux Olympiques de Tokyo. Voilà, et dans quelques instants, ce sera le Chili qui sera à l'honneur. Vous voyez là la petite information, 2,12 m de profondeur sur le début du bassin. Ensuite, on arrive à 3 mètres. Le bassin prend un peu plus de profondeur. Donc l'idéal dans les compétitions, vraiment les grosses, plus grosses compétitions, les championnats du monde, les Jeux Olympiques, le bassin devrait faire 3 mètres. Toute la longueur, un minimum. Oui, parce qu'à partir du moment où on plonge de la plage de départ, on est à l'endroit le plus haut, entre guillemets, dans le fond du bassin. Ouais, donc 2,12 m pour un balai d'équipe, c'est juste pour faire les portées, puisque je rappelle, on n'a pas le droit de toucher le fond et on se met les unes sur les autres pour pouvoir justement utiliser nos jambes et porter le plus haut possible. Donc des fois, on a des contraintes de bassin qui ne sont pas assez profondes, donc il faut un peu se tordre, s'allonger et on a un peu plus de difficultés pour pouvoir sortir les nageuses. En duo, ça va, ça pose pas de problème. La note pour les Serbes, 75, 35, 76. Très proche des Tchèques qui viennent de passer. Ouais, elles ne viendront pas. Elles sont juste derrière. C'est Israël qui reste toujours en tête avec 82 points, 48, 52. Les Pays-Bas en 80, 96, 64. Et la Suisse en 79, 79, 80. Les Chiliennes qui devraient venir nous rejoindre maintenant. Ah, vous devriez connaître le morceau. Ah ouais, je vois qu'on utilise des petites applications sur son téléphone pour j'arrive trouver les morceaux. À trouver. Hein, Virginie ? Ah non, si, ça. Ça c'est un morceau qui existe. Ah, sur ce morceau-là ? Oui. Ah oui, si. En Bob plus, voilà, un classique de nos DJ français. J'arrive pas à sortir le nom. Alors ça, c'est pour la petite musique d'ambiance qui nous est proposée ici. Oui. Avec Rock This Party. Non, le morceau qui arrive maintenant avec le duo chilien, ça c'est un morceau qui a été composé avant la création. Par contre, ça c'est pas le duo chilien. Je sais pas ce qui alors, se passe, ouais. Mais. Alors, est-ce qu'on nous propose une petite variante C'est pour ça que les Américaines étaient là depuis tout à l'heure, qu'elles attendaient. Ouais. Je ne sais pas ce qu'elles font. Ah, donc là, puisque nous avons un garçon. Donc, c'est un petit intermède qui nous est proposé par l'organisation de l'événement, visiblement.
Et l'on nous propose ici donc effectivement de retrouver les Américains et les Américaines. En tenue d'entraînement, hein, hors compétition. Voilà, donc ça spécialement pour vous. Ici dans le bassin. Alors petite pause. Avec effectivement l'équipe américaine en maillot d'entraînement qui nous propose voilà cette petite interlude. Voilà. Avec un garçon dans l'équipe. Un nouveau ballet. Jamais vu. Être le combo puisque elles sont 10. Très très beau porté. Va me permettre de vous annoncer que demain nous aurons effectivement les combos à partir de 8h30 demain soir. Et donc voilà un petit avant-goût, un petit teaser, certainement dû à certains forfaits dus au Covid dans les duos techniques, ce qui laisse une petite marge de temps et ce qui permet à l'équipe américaine de nous proposer cet entraînement grandeur nature. Parce que là j'ai l'impression qu'elles enchaînent. Qu'ils enchaînent, pardon, hein, y a un garçon. Alors je sais pas si c'est un combo ou un light. Ça doit être un highlight avec autant de portée. Je ne connais pas encore. Waouh, exceptionnel le saut dans les bras. Et comme on ne vous refuse rien, Virginie, on nous annonce qu'il y aura une autre démonstration juste après du Canada. Voilà, petite interlude. Ça leur donne des opportunités d'avoir la musique en direct. Voilà, donc on nous signale qu'effectivement, suite à certaines défaillances dues au Covid, for your information, you are watching currently a demonstration of the United States of America's team. A training, just a training, and after we have another training with the Canadian team, and so we will make a pause for 10 minutes, and we restart the competition for the technical duet just after that. Voilà, pour votre information, on va donc après avoir suivi les Américains. Voilà, qu'on peut saluer et qui sont salués par le public parce que c'était bien sympathique de découvrir ici ce programme. Voilà. Le highlight est beaucoup plus court que le programme combiné et plutôt fixé sur des portées. Voilà, avec un maquillage, alors je ne sais pas si c'est parce que c'est l'entraînement, mais non, qui est un petit peu différent de celui qu'on a l'habitude de voir en compétition avec nos amis de Make Up Forever, notamment. Elles l'ont fait spécifiquement là, je pense, pour cet entraînement, parce que on se maquille pas pour les entraînements. Voilà. C'était un entraînement public visible. Et donc on va enchaîner avec une autre démonstration. Another training now with the Canadian team. And just after that, we make a pause for 10 minutes and then we restart the competition with the technical duet here in Paris for the Artistic Swimming World Series Open de France. Oui, je vous le disais, donc ces démonstrations qui nous sont proposées parce qu'effectivement, il y a eu quelques défections et malheureusement, hein, Virginie, notamment l'équipe de France, le duo technique France avec Oriane et Romane,
Oriane Jaillardon et Roman Lunel, sans oublier Sacha Comte, hein, qui fait partie de cette équipe des duos techniques, qui malheureusement ne pourra participer au duo technique a priori ce matin, à moins que vous ayez d'autres informations, Virginie. Porté à la suite là pour le Canada qui commence fort. Oui, petite précision, je parlais de l'équipe de France pour les équipes techniques, pardon, qui seront. On retrouvera forfaits. Bien Oriane et, tout à fait. Et Roman tout à l'heure en duo technique des juniors. Après la pause justement, pour faire un petit teaser, vous voyez. C'est bon. Ce sont des nouveaux ballets hein, qui nous sont présentés aussi bien pour les États-Unis que pour le Canada. Nouvelle chorégraphie qui ont vraiment besoin d'être mis en compétition, mis en difficulté sur les compétitions. Également sur ce programme-là, présenté par les Canadiennes. Ça doit être aussi une équipe de jeunes. Ouais, très beau porté ici. On a des classes qui sont en spectateurs là qui apprécient. Les scolaires de la mairie de Paris. Parce que du coup, ils auront pu voir le côté vraiment spectaculaire du duo, c'est très sympa aussi, c'est très dynamique, mais forcément quand on voit des portées comme ça, c'est toujours impressionnant. Oula, une fille qui a eu du mal à sortir. Après le ballet, une portée, pardon. Ça manque un petit peu de propreté sur ces balais pour l'instant. Il faut sortir. Une très beau porté. Manque un petit peu de hauteur. Et c'est chouette de pouvoir voir ça. Voilà la démonstration de l'équipe du Canada qui est là. Belle démonstration. Entraînement conditions réelles avec les juges face, ça c'est pas mal aussi. C'est très bien. Musique pour elle. Ballet en entier, allez. On repense toujours à ce film hein, quand on voit l'équipe du Canada, ce film qui montrait formidablement bien le travail. Tout à fait. Exactement le travail qui est le vôtre en équipe, en solo, en duo, une exigence l'envers de tous les du instants. Décor. Exactement, et je vous invite encore une fois, si vous pouvez le trouver sur les plateformes, très à voir beau, ce film. Très très beau reportage. Qui démontre la difficulté, l'exigence de ce sport et la beauté de ce dernier aussi. Mais qui paraît parfois simple. Oui, ou très artistique, très beau, très glamour, très sourire, juste très joli. Paillettes. Voilà, pas juste paillettes. Tout. Et derrière, il y a tout un travail, une exigence physique de tous les instants et une rigueur à toute épreuve. Oui, en fait, plus vous avez l'impression que c'est facile, plus c'est maîtrisé et travaillé, donc difficile, athlétiquement parlant. Voilà. Bravo, mesdemoiselles. Voilà, on va marquer, a priori, sauf erreur de ma part, une courte pause. Mais je vois que Sylvie Neuville est prête avec les duos à suivre. Donc je vais voir ce qu'il nous en est. Nous allons prendre la position des duos techniques. Non, il n'y a pas l'air d'avoir de pause. Nous allons continuer le déclin. J'appelle le duo numéro 10, Gilles. Eh bien, a priori, pas de pause. Hein. Quand on aime, on ne compte pas, on ne s'arrête plus.
et on devrait retrouver désormais le duo chilien. Voilà, et juste après, on aura le duo français. Donc pas de pause, contrairement à ce qui nous avait été annoncé. On s'adapte. Et ben voilà. Ça, c'est le propre du sportif de haut niveau. Exactement, c'est bien ce qu'ils ont fait en 2020 et 2021. Tous les athlètes ont dû s'adapter aux conditions. On n'est plus à 10 minutes près. Non, ça c'est certain. Voilà. Le duo chilien entraîné par Marcia Schweizer. C'est l'équipe. Jolie démonstration de souplesse, dynamique. Soledad et Trinidad Garcia, voilà. Très belle pause. Je reconnais. Gemma et Ona l'avaient faite également à Rio. Allez, on commence avec le porté. Très joli porté, ouvrie, ouverture, belle hauteur. Et une reprise d'un morceau que vous connaissez, Virginie. Je vous laisse deviner. Je m'entends pas très bien. C'est une reprise très rock. Exactement. J'ai pas le mot qui vient. Mais ça va venir, ça va venir. La musique est un peu sourde d'ailleurs, c'est un peu bizarre. Ah, des filles très agréables à regarder. Justement là, sont pile devant le jury. Pour le deuxième élément. Come together. Et l'équipe du Chili qui est là pour encourager, vous les entendez, avec le public qui est venu au rendez-vous, avec les scolaires qui sont là pour en profiter. Les manques de poissons, difficile sur la ligne verticale au rassemblé, la vrille qui a donné un bon rythme et une bonne vitesse par contre. Avec des jumelles, hein. Exactement. Pas mal sur cet élément-là. Alors, forcément, hein, dans la natation synchronisée, on essaye d'avoir des profils similaires, des mêmes jambes, la même façon de nager, la même énergie. Donc forcément, c'est apprécié quand on a des jumelles à entraîner parce que la similarité est là, la présence visuelle est complètement... adapté. Et il faut savoir quand même aussi qu'on a une, enfin, quand on est sœur déjà et encore plus quand on est jumelle, normalement on a une compréhension, une lisibilité de la musique qui est plus proche, et donc normalement la synchronisation devrait être meilleure instinctivement. Avec La chance d'avoir Charlotte et Laura Tremble, qui sont toutes les deux des jumelles, qui étaient le duo olympique à Tokyo. Tout à fait. Nos finalistes olympiques. Voilà, avec donc ce duo Trinidad et Soledad Garcia sur un morceau des Beatles, bien sûr, Come Together, Lennon McCartney, mais alors revisité par Gary Clark Jr. Hein, à la guitare électrique. Oui, ça ressortait pas très bien, je trouvais. Voilà. Le son n'était pas mis en valeur. Avec les entraîneurs, voilà, Marcia Schweizer qui est là pour accompagner cette équipe du Chili. Et donc on parlait de jumelles et le duo qui est forfait français, malheureusement encore, cette fois-ci, puisque une des deux filles est positive, donc Daria et Nastia Bayandina, notre nouveau duo français. Ce sont également des jumelles. Allez, on va attendre les notes des Chiliennes et juste après, il y aura les Françaises. Avec Marie Henquin qui les accompagne pour les coacher. La note, 73-54-64 pour les Chiliennes. Ce qui leur permet de prendre la 7e place juste derrière la Serbie. Voilà pour les sœurs Trinidad. Les sœurs Garcia, pardon. Trinidad et Soledad. Allez, à suivre maintenant le duo français avec le public qui va les encourager.
Vous l'avez compris, elles arrivent. Oriane Jaillardon et Romane Lunel qui vont être les représentantes françaises sur ce duo technique. Oriane qui vient du club de Corbeil et Romane qui vient de Nantes et Sacha d'Aix-en-Provence, la remplaçante. Ils ont intégré toutes les trois à l'INSEP cette année, donc gros changement. Ce sont des juniors. Et qui s'entraînent depuis 2 ans environ, c'est ça, ensemble, si mes notes sont bonnes. Avec une sixième oui, place au championnat d'Antilles. Oriane était à Nantes l'année dernière, donc elles ont fait un duo ensemble. Allez, on va regarder. Tico Tico, c'est le nom du morceau qui va les accompagner. Entraîné par notre ex-capitaine Marie-Anne Quint, en effet, qui a arrêté juste après le tournoi de qualification l'année dernière. Oriane, qui était la soliste junior également. Nageuse très légère, pleine de qualité. Voilà, pour l'instant, très joli départ pour nos Françaises. Avec beaucoup de légèreté et de vitesse, justement. Et le premier élément. Voilà, vous pouvez voir une belle hauteur sur ces deux jeunes filles. Donc la hauteur, c'est vraiment le repère, c'est le genou par rapport à la surface. Et c'est essayer d'être mi-cuisse hors de l'eau. Belle synchronisation. Jusque-là, c'est très bien nagé. Élément balai-leg, double balai-leg, descente, demi-tour. Montée flamenco et finir en balai-leg. Alors c'est pareil cette année par rapport aux juniors, année un peu, petit peu perturbée, il me semble qu'il devrait y avoir des Europes et des mondes pour les juniors, alors normalement c'est 1 an sur 2. Mais je ne sais pas si la fédération pourra envoyer l'équipe de France sur ces deux compétitions. L'année dernière, elles ont participé au championnat d'Europe. Allez. Très bien nagé hein, les filles jusque là. Belle ligne sur les bancs de bas. Elles sont un petit peu loin par rapport à des seniors. Je vais nager un petit peu plus proche. C'est vraiment très bien exécuté, c'est bien ça. Et des petits jeux de jambes de la hauteur avant le dernier élément qui est une grosse difficulté, c'est bien ça aussi. Bien ça, bravo les filles, vraiment bien nagé. Virginie de Dieu est satisfaite, le public aussi, il ne s'y est pas trompé, et Marie aussi. Bon, Marie qui entraîne cette année donc du coup à l'INSEP en alternance hein, puisqu'elle est architecte intérieur designer, elle a même commencé aussi à travailler cette année sur ce métier là. Et du coup, elles secondent essentiellement pour les juniors qui sont là, ou qui sont, il me semble, 5 ou 6. Et les deux entraîneurs de l'INSEP, c'est Julie Fabre et Laure Aubry-Thibault. Oriane Jaillardon et Romane Lunel qui vont venir rejoindre Marie-Anne Quint et partager évidemment leur satisfaction. Oui, jolie performance, une jolie présentation. Oui, il faut savoir que du coup, en junior maintenant, depuis deux ou trois ans, les figures imposées ont été supprimées et donc remplacées également par des programmes techniques. Du coup, ça permet aux juniors de faire les compétitions seniors sans problème puisqu'elles ont les mêmes programmes. Voilà, bravo elles, et ce qui leur a permis d'être présentes aujourd'hui, malheureusement pour certaines, heureusement pour d'autres, avec donc ce duo. Ah, c'était prévu qu'elle nage en plus, oui. Des seniors. Hein. Voilà, mais c'est vrai qu'on aurait aimé avoir tout le monde. Bien sûr. Mais voilà, on va regarder ce que ça va donner. Vous pouvez voir une belle différence de taille hors de l'eau entre Oriane et Romane, mais dans l'eau,
ça ne se voit plus puisque Oriane arrive très bien à prendre de la hauteur dans l'eau. Alors, on va avoir les notes dans quelques instants. C'était mon cas avec Myriam Mignot. Ouais, c'est pas du tout la même taille. Du coup, il faut compenser dans l'eau, mais c'est l'avantage du bassin. Voilà. Petit souci de notes. Donc, je rappelle qu'on a trois panels parce que, effectivement, notes. Pour l'instant, les notes qui ne sortent pas, parce que là, a priori, on a une note qui n'est pas complète. Ah, mais qui va être bien meilleure que ce qui nous était annoncé pour le moment. Effectivement, on n'avait pas pris en compte le tout. Et ça permet à l'équipe de France c'est de passer en tête. On a toutes les notes. C'est mieux, ça compte plus. 83,7. L'équipe de France passe en tête. Donc avec 25,3 en exécution, 25,2 en impression et 33,2. Donc on a 30% de l'exécution, 30% d'impression et 40% sur les éléments. Bonne première compétition pour cette année pour nos jeunes françaises qui se préparent aux autres compétitions internationales. Donc c'est très bien d'être là. Oui, c'est important de se montrer, d'être visible. Donc même si pas tous les gros pays peuvent être présents, ils peuvent voir ses concurrentes, leurs concurrentes grâce aux chaînes FFN TV et FINA TV. Donc c'est important de se montrer à son meilleur jour. Ouais, et puis une belle performance, bravo à ces Françaises. Donc on va retrouver, on va suivre hein, 83,7, c'est la note de référence désormais sur ces duos techniques. The leader currently is the French team, but now we will following Switzerland team, the second one. On va suivre la deuxième équipe suisse, Ilona Farni et Babou Choubak. Voilà, commence. Avec du rythme aussi sur ce duo-là. Très dynamique. Un petit peu d'isolation sur cette première figure. Et c'est un nouveau programme hein, que nous propose ce duo. Et le duo est ensemble depuis 8 ans maintenant. Donc, expérimenté. C'est important hein, d'être longtemps avec sa partenaire parce qu'en effet, comme je vous expliquais, on a une sensibilité de musique, un rythme d'exécution qui est différent pour la plupart des filles. Donc être en osmose et comprendre comment l'autre nageuse fonctionne, et ben, c'est important. Donc c'est pour ça qu'il faut pouvoir nager longtemps ensemble. Les Russes, par exemple, elles sont vraiment des paires toutes petites, très jeunes, et elles ne se dissocient pas. Contrairement en France où on prend vraiment les deux meilleurs qui arrivent au fur et à mesure, où c'est des sélections régulières. Oui, ce qui peut provoquer une évolution et pas forcément une régularité, mais bon. C'est une tactique. Un choix. Une belle vitesse pour ces deux nageuses-là. De déplacement également. Hein. Ils sont déjà sur leur deuxième longueur. Ouais, un bel élément. De poisson ici, un petit problème de synchronisation, mais une exécution qui était vraiment pas mal. Allez, je vous rappelle, hein, si vous nous rejoignez, l'équipe de France a pris la tête il y a quelques instants de la compétition des duos techniques et on suit le duo suisse qui nous entraîne et qui nous emballe avec son programme, nouveau programme pour cette équipe. Dommage aussi une petite faute de synchro alors qu'individuellement elles maîtrisent leurs gestes. C'est un beau programme par contre. Une très belle ligne de jambes ces deux nageuses. Ouais, une belle difficulté également sur cette dernière figure, des deux jambes en l'air, de l'isolation et de la belle hauteur. On est pas mal. Attention, est-ce que ça fera mieux que ce que l'on a vu précédemment? On va le découvrir dans quelques instants avec les notes.
Voilà, on le rappelle, donc l'équipe suisse, donc Ilona Farni et Babou Choubak pour la Suisse. Et juste après, à suivre les Danois. Voilà, on voit Elodie Hernandez, la coach de l'équipe. Et bien sûr, hein, comme le redit le speaker, évidemment, toutes ces équipes cherchent à se qualifier, bien sûr, pour les JO de Paris 2024, bien sûr. La Suisse qui est bien présente ici avec trois duos techniques présentés. Voilà, avec en tout cas le deuxième que l'on vient de suivre il y a quelques instants, on va découvrir les notes. On va voir les notes dans quelques instants et a priori ça ne viendra pas perturber le podium puisque la note va être donnée dans quelques instants. Voilà, 79-21-29, cinquième place pour les Suisses. À suivre maintenant, donc je vous le disais, les Danoises qui vont venir nous rejoindre, Caroline Christensen et Mila Heide, qui vont être à l'honneur maintenant. Ah. Et encore une fois, on sera sur un classique musical. Un classique. J'ai essayé de pas me tromper, attention, ça. Attention, un classique, c'est pas un indice sur le style musical. Ah, non, mais c'est un classique. D'accord. Avec par contre une originalité pour ces deux jeunes filles qui arrivent avec un bonnet pailleté. Donc en effet, on a normalement la coiffe. On a le droit d'avoir un bonnet. Comme ça. En fait, c'est un bonnet. La coiffe, elle ne doit pas faire plus de 10 cm. Donc forcément, si on considère que c'est une coiffe, on est hors la loi, on est hors règlement. Par contre, on a le droit de nager avec des bonnets. Les Espagnols ont fait souvent ça, les Canadiennes également, c'est pour donner un peu une originalité. Je vous avoue qu'en tant que nageuse, c'est assez pratique parce que ça permet de ne pas perdre de temps sur la gélatine, le coiffage, qui est un moment qu'on n'aime pas forcément. On a mal au bras parce qu'on a les bras en l'air tout le temps. Et donc voilà, c'est un bonnet par contre qui est customisé, qui est adapté au maillot et qui donne de la lumière avec les paillettes. Bon, j'espère que ça ne va pas être une punition pour les Danois. C'est le rock du bagne, Elvis Presley. C'est un classique, c'est pas du classique. Non, exactement. Tout à fait. Manque aussi un petit peu de vitesse par rapport à cette musicalité. Le Danemark est présent mais qui ne fait pas partie des pays phares, des grosses nations de la natation artistique. Depuis 2 ans maintenant. Une bonne synchronisation, mais l'exécution individuelle était plus faible par contre cette fois-ci, contrairement aux Suisses tout à l'heure. Elle nous propose des choses assez originales dans cette chorégraphie. Le Danemark qui va être présent en équipe puisqu'on voit les nageuses qui sont en haut, qui les encouragent. Oui, les Danoises, comme vous le disiez, qui ne devraient pas venir concurrencer le trio de tête. Mais une belle dynamique quand même. Avec une belle faute de synchronisation ici fautes. Sur le dernier élément.
Voilà ce programme technique hein, qui est aux alentours de 2 minutes 20 pour chacune, pour chacun des duos, qui se termine maintenant pour le duo danois Caroline Christensen, Mila Heide. Ils s'appellent tous Christensen. Il y a beaucoup de Christensen. Alors par contre, la référence au handball. Hein. C'est ça, oui, il y en a beaucoup, effectivement. C'est Leilani Torres. Et la chorégraphie est signée Caroline Christensen elle-même. Voilà. La coach qui est contente. Leilani, voilà, qui a le pouce levé. Et comme vous le disiez, il y aura un troisième duo technique suisse. Ça sera juste après. On aura eu trois duos. Voilà, on rappelle que la meilleure note obtenue par le duo danois était d'un peu plus de 70 points, si je ne me trompe pas, 70,5 lors de la Coupe de Hongrie en 2021. Donc voilà, dans les dernières notes. On va voir ce que ça va donner. On sera pas loin de cette note-là, un petit peu en deçà. 69, 63, 48, 12e place pour Caroline Christensen et Mia Heide. Suisse, c'est leur première année en duo toutes les deux. Elles font partie de l'équipe de Suisse depuis 2016 et c'est effectivement leur première année en participation en duo. Il s'agit de Emma Rosvenor et Margot Varesio. 2002 et 2001 pour leurs années d'âge. 22 et 21 ans. Donc là, voilà, par rapport à leur maillot, je ne connais pas leur thème, mais ça a l'air plutôt d'être tribal, africain, voilà, quelque chose comme ça. Un thème que nous avions aussi utilisé, nous, en duo, si je me rappelle bien, au jeu de Rio. Ce maillot me rappelle un peu le maillot de l'équipe de France. Le c'était brésilien. Pour Laura et Margot Chrétien. Laura Auger, Margot Chrétien, finaliste de Rio. Maillot qui me fait pas un peu penser à ce côté ethnique. Très belle hauteur là sur cette première figure. Qui ont enchaîné avec un porté, ce qui n'est pas évident non plus. Elles ont fait une figure et juste derrière, elles ont enchaîné avec le porté. Donc ça demande plus de difficulté. Belle glisse. Ah, il y a des petits mouvements difficiles à caler là, hein, en duo, c'est bien. Oh, dommage, il a des synchros, il a chuté un petit peu sur la verticale d'une des nageuses alors qu'elles étaient bien parties. Également. Là ça a bien glissé au début, ça manque un petit peu de glisse sur cette partie là. Il reste un petit peu sur place. Ouais, les bons queues de poisson qui est difficile au niveau du rythme aussi. Un petit peu penché également sur la verticale. Accès. Alors, on repart un petit peu sur de la vitesse ici.
jolie ligne. Ah, ils ont bien fini là les Suisses sur leur dernière figure. Il y a eu un petit moment dans de ça, un petit peu un manque de pêche, mais elles sont bien reparties. Ilona, Farny et Babou Bach. Voilà pour la Suisse. Ça c'était tout à l'heure. Et maintenant Emma Grossevor et Margot Varesio pour compléter ces équipes suisses, trois équipes de la Confédération Helvétique à l'honneur. Et on va bien évidemment continuer dans quelques instants après avec une autre équipe de la République tchèque. Voilà, Tania Rutskova. Rutskowska, pardon, qui les entraîne, voilà, et qui les accueille, qui a signé la chorégraphie. Bon, on les sent peut-être un petit peu déçus de leur prestation. Ouais, il y a eu des petites fautes, je pense qu'elles auraient pu éviter. C'était évitable. Voilà, toujours en direct sur Fina TV et ffnatation.tv. 80.17, c'est pas mal. Elles sont au pied du podium, quatrième. Écoutez, plutôt belle performance. Elles rentrent dans le club des duos au-dessus des 80 points. Bravo à elles. Et maintenant, on va accueillir l'équipe de la République tchèque. Diana Sipova et Julie... alors, veuillez m'excuser d'avance, Jubiskinskova, Nova, pardon, qui complète donc ces duos techniques. Il restera ensuite 4 duos avant la fin de cette première épreuve de cette Open de France Artistic Swimming World Series. You are watching on live on the Fina TV, the Artistic Swimming World Series Open de France. Now we are watching the Czech Republic, Diana Sipova et Julie Ljuftskinova. Pas évident. Je vous prie de m'excuser par avance. Une petite salsa. Ouais, ça s'est importé vraiment difficile en duo, hein, on le voit plus dans un duo mixte où en effet la nageuse arrive vraiment à sortir au-dessus de l'eau. Là elle était un petit peu dans l'eau en faisant son écart, mais il était quand même vraiment pas mal. Donc, tout à l'heure je vous expliquais que sur les duos pardon, techniques, tous les ballets techniques, on n'avait pas le droit de faire des choses différentes, sauf quand on a importé justement ou des figures en contact. Dans les duos techniques, à une période, il y a eu une demande de figure en contact. Là, il a disparu. Il est encore sur le duo mixte, mais pas sur le duo avec les deux filles. Seulement le duo de portée est autorisé dans la différence de nage. Ils ne peuvent pas faire la même chose, bien entendu, ce sont les mêmes. Allez, les membres à l'élec, j'espère que maintenant vous pouvez les reconnaître. Ça y est. Autour, on fait toujours la même chose, enfin, ce qu'on veut, pardon. Oui, pour nos amis qui découvrent la discipline, ce qui est bien, c'est qu'avec les duos techniques, eh ben forcément, il y a donc une répétition des éléments. Donc ça permet de bien suivre et de bien comprendre les bonnes et les moins bonnes performances de certains duos. Ah, il y a des tout petits décalages, mais c'est un duo qui est assez bien exécuté. Il y a un petit peu de mal à trouver de la hauteur sur ses figures. Une belle présence en bras par contre. Il a poussé notre pédalage. La fille de derrière, vous avez pu voir sur son élément de poisson, la jambe verticale a été ouverte complètement dans le dos. Et puis, le but c'est vraiment de laisser la jambe à la verticale, à la ligne.
Elles aussi, elles ont fait leur dernier élément plus tôt que certaines. Et elles ont pu sortir, respirer et faire une dernière petite figure. Julie Vissinova, voilà, ça a été bien prononcé par notre speaker officiel, et Diana Sipova, qui représentait donc le second duo tchèque aujourd'hui. Deux filles de 2005, toutes jeunes, qui ont encore la possibilité de bien évoluer, bien sûr, dans ce duo technique. Elles sont, ouais, leur meilleure note a été 73-500 lors de la World Cup en Belgique. Et ça fait 2 ans qu'elles sont ensemble et 2 ans qu'elles font de la chorégraphie au sein de l'équipe nationale. Voilà, c'est une chorégraphie qui n'est pas nouvelle, hein, qui a déjà été éprouvée avec l'équipe de la République tchèque. Et les filles obtiennent la note de 72-81, 11e place donc pour ce duo tchèque. Allez, nous allons partir du côté de la Turquie maintenant avec Sud Dikle et Ece Ungor qui vont venir nous rejoindre maintenant. Ce sera le 16e duo de cette matinée. Si vous êtes avec nous depuis 9h, soyez vous en remerciés. Nous sommes avec Virginie De Dieu, la championne du monde, la triple championne du monde, la quintuple championne d'Europe et la médaillée aux Jeux Olympiques, qui vous accompagne avec ses commentaires avisés. Et qui se réveille avec Bob Sinclair. Exactement, tous les matins. Toutes les 3 minutes. Toutes les 3 minutes, voilà. On a commencé à vous le passer dans votre chambre d'hôtel depuis 5h ce matin, et ça a l'air de marcher. Je ferais penser à vous changer votre réveil ce soir pour vous faire la blague du 1er avril, ça vous fera plaisir. Voilà. Ah non, je suis de mauvaise humeur si on me lève trop tôt. Allez, on commence aussi par un porté. Très bien. Petite faute de synchro. Allez. Belle hauteur sur les poussées rétro également. Premier élément. On va rester sur la hauteur. Ah, une version originale également là. Un petit peu de manque de hauteur sur ces deux nageuses. Oula. Il y a un gros souci et une des nageuses qui n'est pas sortie. Donc là, ça, comme c'est un duo technique, il risque vraiment d'y avoir une pénalité parce qu'il y a une fille qui n'a pas exécuté un mouvement et ça, c'est interdit. Sur un libre, ça n'aurait pas été très grave, mais là, je pense qu'il va y avoir vraiment un souci. Il peut y avoir des pénalités. Ouais, c'est un remix de musique d'un classique espagnol. I believe, me dit-on, c'est cela. Ouais, mais c'est un fond. C'était un fond d'un classique espagnol. D'Aranches, il me semble. Oui. Complètement reformulé. Ça reste un petit peu sur place également pour ces deux nageuses. Donc l'idée vraiment c'est de glisser, de bouger. C'est pour ça aussi qu'on fait beaucoup de natation, c'est vraiment notre échauffement. Avec certaines périodes pour entrer en équipe de France, il fallait faire un minima en natation, un 404 nages. Après ça a été un 204 nages et un 400 crawl. Si on ne faisait pas un certain temps dans ces deux distances-là, on ne faisait même pas les sélections de synchro. Donc la glisse. Les appuis de natation sont très importants également. Rythme très dynamique et il faut le soutenir ce rythme, et c'est pas forcément évident pour ces deux jeunes filles.
Allez, dernier élément qui arrive assez tôt, et justement là c'est que le retour de la deuxième longueur, elles n'ont pas fait beaucoup de longueur. Il manque un petit peu de glisse. La plupart du temps il y a plutôt 4 longueurs, là elles en ont fait 2,5. Ouais, musique très très soutenue et il faut soutenir le rythme, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Ungor, Etche et Tikle Soudé qui vont ressortir du bassin dans quelques instants. L'énergie de l'univers. L'énergie de l'univers qui est tout simplement évoquée ici, hein, comme vous pouvez l'entendre. Ils ont commencé leur duo cette année et c'est leur première participation à une compétition internationale ici à Paris dans le cadre des Artistic Swimming World Series. Bonne expérience. Bah écoutez, oui. Et c'est Lassine Doksay qui est le coach de l'équipe. Pas beaucoup de signes de congratulations de la part de la coach, mais en tout cas, on va avoir les notes dans quelques instants. Pour cette première expérience à l'international pour ce duo. 70-96. Ouais, alors on a plus de 10 points d'écart avec le trio de tête. Et ce qui donne la 13e place. Coup, ils ont noté s'il y avait. Il n'y a pas eu de pénalité a priori. Non, a priori non. Ça n'a pas l'air d'être marqué. Donc ils ont compté ça comme une faute d'exécution. Pas une pénalité. Allez, on est rentré dans le dernier trio avec la Grèce à l'honneur dans quelques instants. Avec Eleni Frakkani et Christina Lenia Gialama. Voilà, sur une chorégraphie qui est utilisée depuis 2018. Là aussi, maintenant, un classique. Mais attention, qui est loin d'être classique en termes de musique. Ok, on va voir ça. On va voir ça dans quelques temps. Vous allez vite reconnaître. Ça aussi, pour vous réveiller le matin, je vais vous proposer ça, Virginie, pour demain matin. Vous allez voir, ça va vous faire du bien. Pas sûr que ça vous fasse plaisir, mais bon. Mais en tout cas, ça vous réveillera. Ça, de fait, ça, c'est indéniable. Hein. Ah bah, en plus, elle. Allez, ça bouge avec les Grecs là. Alors, elles ont une anecdote amusante qu'elles nous relatent. Ce duo grec, c'est qu'elles se sont entraînées une fois sous la neige. Vous voyez, comme il neige ici, ça tombe bien. Elles s'entraînent en extérieur. Voilà, pour demain matin, Virginie. Ah hein, ouais, mais moi j'aime bien ça. Un petit semaine Lighting Spirit signé Nirvana pour accompagner. Exactement, en musique le duo porté. Grec. C'est beau porté. Il me semble que c'est une reprise d'un duo senior qu'elles reprennent là. Voilà, avec une belle pêche, parce que c'est pas le duo habituel que nous connaissons chez les Grecs, mais il y a du niveau chez les Grecs, donc à surveiller. Version acoustique, ouais. Hein. Version classique. Exactement. Version classique. Violon, classique. Violon électrique. Que Tuccello aurait pu signer. Oui, tout à fait, c'est le style. Mais il chante pas Tuccello. Non. Bon, il y a une belle synchro. Belle dynamique, un peu manque voilà, de technique. Vous pouvez voir les verticales qui restent pas vraiment à la verticale, un tout petit peu désynchronisé ici dans les axes également. Belle synchro de hauteur par contre. Voilà, elles ont participé ces jeunes filles au championnat du monde junior à Saint-Morin. Et depuis elles continuent en compétition toutes les deux. Ah,
elles font un beau déplacement, elles vont vraiment dans les coins du bassin. On bouge bien et vite. Une petite figure qui lui donne de la difficulté entre les éléments, là c'était bien aussi. Plus vous pouvez en mettre autour, mieux c'est, mais forcément ça fatigue et ça permet pas d'assurer forcément les éléments. Voilà, deux dernières figures. C'est bien. Bravo mesdemoiselles Soudé, Dicle et Etchegor. Bien épuisé. Voilà, avec Anastasia Gutseva et Varvara Lidatioti qui les coach et qui ont créé cette chorégraphie. Voilà, cette équipe donc qui est jeune, hein, 2007 et 2001. Ouais. Donc, ça... Pas mal de différence, 6 ans. Ouais. 6 ans d'écart. Mais une belle présentation, une belle performance. On va voir ce que ça va donner. Elles sont grandes, hein, c'est des nageuses qui sont très grandes. Donc c'est bien aussi dans l'eau parce que ça fait des grandes jambes, de grandes hauteurs. Et on sentait de la dynamique en tout cas pour ces deux jeunes filles. On va voir ce que ça va donner du côté du jury qui va pas tarder bien évidemment à nous livrer son verdict. Eh ben écoutez, 77. Elle se glisse juste derrière les Françaises en 82-77-53, ce qui nous donne Israël 3e, Grèce 2e et la France toujours en tête en 83.7. Il reste deux équipes à venir, il s'agira de la Suède et de Malte. La première d'entre elles, donc, c'est l'équipe de Suède qui va venir nous rejoindre avec Sandra Lassar-Freud et Brianna Vergana-Rosas. Jolie pose qui profite de la différence de taille, justement. Très bien vu. Donc, je vous parlais d'un parcours tout à l'heure. On n'est pas obligé de démarrer au milieu du bassin. Ces filles-là ont choisi de démarrer un petit peu excentré sur le côté droit pour pouvoir après justement tourner. Down, Kevin, K.O. Ça s'adresse bien au juge là, des deux côtés. On est déjà au deuxième élément. Très tôt, hein, puisque souvent les filles arrivent à la fin de la longueur pour faire le premier élément. Elles sont au milieu du bassin. Elles sont au deuxième élément. C'est pas beaucoup lissé non plus. Cet effet là, la main hors de l'eau. Faute de synchro sur cet élément là, qui partait ouvert et pas en fermeture de l'axe. Faute d'exécution, belle faute de synchronisation également malheureusement sur la brille. Ça reste également un petit peu sur place ici, sur ce programme. On va arriver à se déplacer.
Il y a de la recherche chorégraphique, la vidéo aussi est originale. Dernier élément, le plus difficile techniquement. Allez, il va falloir un petit peu relancer là dans l'énergie. Elles n'ont pas fait encore le porté, elles le font, elles ont choisi de le faire à la fin. Manque forcément de bah pêche, oui, mais c'était pas mal, il était pas mal du tout. Bravo à elles, on le rappelle, hein, si vous nous rejoignez, vous êtes en train de suivre des duos techniques et ce duo suédois est en compétition depuis 2 mois ensemble, avec une chorégraphie qui date d'il y a un mois. Voilà. Donc la chorégraphie date d'il y a un mois, le duo s'est formé il y a 2 mois et c'est leur première évidemment compétition internationale. Donc bravo à elles en tout cas d'être présentes avec nous, on est ravis de les accueillir. Dans quelques instants il y aura le dernier duo technique de cette matinée, à suivre les podiums bien sûr. Pour l'instant eh bien, la France est devant la Grèce et Israël. In a few minutes now we will watching the last technical duet, and just after that we will follow the podium, the prize giving ceremonies here in Paris for the Artistic Swimming World Series technical duet, the first competition of this event during this weekend. You are watching on Fina TV, vous regardez ffnatation.tv et nous allons avoir les notes. Voilà, 69-74 pour Sandra Freud et Brianna Vergana qui sont avec nous ici pour cette première compétition internationale pour ces deux jeunes filles qui viennent à peine de commencer ensemble leur duo. Allez, le dernier duo à venir nous rejoindre maintenant, c'est le duo maltais Thea Blake et Anna Kulik. Ils nous rejoignent ici. Ce duo est formé maintenant depuis 5 mois. Et là, ils ont créé une nouvelle chorégraphie avec leur coach, Michel Hubner, que nous allons découvrir ici. Et c'est leur première compétition en duo, ici à Paris. Leur objectif étant les championnats du monde junior de 2022. De 2006 et 2003. Pose assez sobre et simple. Par une montée marsouin du carpé, demi-tour à la verticale. Un classique des années 80. Hein. Pour la musique, c'est du New Order, Blue Moon Lake. De précision et de vitesse. Donc quand je parle de propreté, là on a beaucoup de bouillon sur leur figure. Un petit manque d'énergie. Le porté qui arrive au milieu, au bout de la deuxième longueur en tout cas. Les synchros, attention là justement, la fille derrière, vous devrez la suivre. Et les manques de poisson. Rassembler vrille. Deux tours avant les chevilles.
d'axe là pour les deux nageuses. Dernier élément très difficile là, donc la ligne, vous avez pu voir, hein, les tombées sur son barracuda, donc sur sa poussée verticale. Synchronisation qui est difficile, allez. Et voilà, fin. C'est des balais, voilà, c'est des pays qui sortent, qui ont vraiment besoin d'expérience et de se montrer, c'est très bien hein, de pouvoir faire ces compétitions là. C'est un exercice à taille réelle. Avec Théa Blake et Anna Kulik qui représentaient donc Malte sur ce morceau de New Order et qui donc comme je vous le disais ont pour objectif les championnats du monde junior, les championnats du monde pardon 2022 et qui sont tout nouveaux avec cette chorégraphie qui date d'il y a 5 mois et en place avec Michel Hubner, voilà leur coach. Donc, a priori, elle ne devrait pas venir changer le podium. On va voir les notes qu'elles vont recueillir dans quelques instants. Non, ça ne va pas changer. Et restez avec nous. On est en train d'attendre on aura les podiums après ces notes. Currently, we are waiting for the notes, notation for the Malte team. Malta, from Malta, 66-43, 19e place pour Malte. Okay, stay tuned. In a few minutes, we will follow the prize giving ceremony. Voilà, avec le classement qui va s'établir de la façon suivante. Israël va prendre la 3e place en 82-48. La Grèce en 82-77 va prendre la 2e place et le duo français Oriane Jaillardon et Romane Lunel 83.7. C'est très réaction. Bien, bravo pour les Françaises. Elles ont vraiment fait une très très belle compétition, elles ont bien nagé. Voilà, c'est une belle entrée en matière, une belle première compétition internationale et une visibilité très importante. Donc il fallait le faire, c'est très bien. Oui, et puis c'était pas forcément évident parce qu'on s'attendait évidemment à avoir d'autres représentantes françaises également, mais elles ont été les seules à pouvoir se présenter et ce matin. Peut-être plus de pression et elles ont assumé. Ou peut-être au contraire ne plus avoir la pression des seniors et on se lâche un peu plus, peut-être, je ne sais peut-être. Pas. Bon, vous irez les voir et vous irez certainement recueillir leurs impressions, Virginie de Dieu. Merci. Virginie d'avoir été avec nous. On va se quitter avec vous pendant quelques instants. Restez avec nous puisqu'on aura les podiums dans quelques secondes maintenant. Moi je vais vous laisser parce que je vais faire une initiation à des personnalités dont France Piron qui est présentatrice que TV, j'ai vu là-bas et, oui, exactement. Lucille Woodward et Mademoiselle les Instagrammeuses. Donc voilà, je suis très contente, on veut faire partager notre sport et ça va être très sympa avec le partenaire Decathlon. Avant qu'elles viennent faire des stages plus avant à Aix à vos côtés peut-être. Je ne suis pas sûre qu'elles aient le niveau de participer. Mais par contre, en effet, hein, les jeunes nageuses, on va bientôt l'annoncer, a priori, on va en effet reprendre les synchro-camps cet été à Aix-en-Provence. Je vous informerai, suivez-moi sur les réseaux, je vous donnerai ces infos. Voilà. Indispensable après 2 ans d'absence. Ça a bien dû vous manquer. Hein. Oui. Eh ben, on a ça va être bien. On se retrouve cet après-midi. Ça sera aux 4h, 16h15 exactement pour les duos libres. 16h15, alors ça veut dire qu'on entend avec l'entrée du jury. On est là à 16h10 avec vous en direct. Donc on se retrouve tout à l'heure, Virginie. Merci Virginie. Voilà, Virginie de Dieu qui était à nos côtés pour commenter et analyser l'ensemble de ces duos techniques. On va attendre quelques instants que le podium se mette en place. En attendant, bien sûr, on vous rappelle que vous pouvez continuer à suivre toute l'actualité de la natation sur ffnatation.tv et bien sûr avec Fina TV. We stay on live.
with FINA TV to follow the prize giving ceremony in a few minutes now here in Paris for the Artistic Swimming World Series, the new step of this competition. We are back, we have come back here in Paris for the Artistic Swimming, and we are very proud of it. Voilà, on est très heureux d'être avec vous et de partager ce moment. On va vivre ces compétitions tout au long de ces trois jours. Je vous rappelle le programme. Ce matin, nous avons suivi des duos techniques. Nous aurons les duos libres cet après-midi. On aura les solos demain matin à partir de 8h30. On aura ensuite les solos techniques à partir de 15h demain. Et puis, pour terminer la soirée, nous aurons les highlights et les combos aux alentours de 19h. Sans oublier dimanche le programme avec les tech mix duet, voilà, les duos mixtes techniques et l'équipe technique. Les équipes techniques, ça sera le dimanche matin. Et puis nous aurons les duos mixtes libres et les équipes libres tout au long de l'après-midi. Voilà donc le programme de ces trois jours sur ffnatation.tv. Je vous rappelle que c'est gratuit et que vous pouvez vous inscrire quand vous le souhaitez. Il n'y a aucune obligation, que du plaisir à partager l'actualité de la natation sur cette chaîne créée à l'occasion avec Sport Hall, le partenaire de la Fédération Française de Natation. Et puis bien sûr, on suit sur FINA TV tout ce qui se passe, vous le savez également. Donc restez avec nous dans quelques instants, la cérémonie protocolaire de remise des prix des duos techniques que nous avons suivis il y a quelques instants avec les commentaires de Virginie Denis. Voilà, toujours en direct sur FINA TV et ffnatation.tv. La cérémonie protocolaire est en place pour ces duos techniques. Alors, petite particularité cette année, nous aurons deux podiums. Un podium pour à l'occasion du French Open qui récompensera les clubs présents ici dans le cadre de cet Open de France. Et puis, nous aurons évidemment le podium des Artistic Swimming World Series Open de France avec les nations qui auront donc performé aujourd'hui. Alors, première cérémonie qui concerne l'Open de France, eh bien, ça sera pour les clubs. Et eh bien, là, le calcul a été rapide, puisque pour les duos techniques, il n'y avait qu'un seul et unique club présent. Il s'agit du club de la Liga Vallecuana, avec Isabella Franco, Valentina Orozco et Sofia
Abarca qui venait compléter le duo. Et c'est Brent Nowicki qui est le directeur exécutif de la Fédération internationale de natation, la FINA, qui va remettre ses médailles pour récompenser le club. Voilà, bravo à ce club de la Liga Vallecuana qui remporte donc la victoire dans le cadre de l'Open de France. Voilà, maintenant nous allons pouvoir procéder à la cérémonie protocolaire de remise des prix pour les Artistic Swimming World Series. Now we are watching the prize giving ceremony for the Artistic Swimming World Series here in Paris for the technical duets. Voilà la photo pour immortaliser ce moment, bien sûr. On les salue, on les remercie. Voilà, à suivre maintenant les Artistic Swimming World Series Prize Giving Ceremony for the Technical Duet. Et je vais donc maintenant, nous allons maintenant procéder à la remise des prix dans le cadre de cette étape des séries mondiales de natation artistique dans le cadre de l'Open de France. Je vous rappelle qu'il y aura eu donc 4 étapes cette année. Il y aura 4 étapes cette année avec l'étape française qui sera ensuite suivie par l'Australie et la Grèce. Avec la super finale plus précisément qui se déroulera à Athènes. Voilà, donc à suivre bien évidemment toujours sur les antennes de FINA TV et avec la FF Natation, on ne manquera pas bien sûr de vous en faire part. Voilà, le podium qui se met en place. Voilà, Marcelin, la mascotte qui est prête. La mascotte de la Fédération française de natation qui s'impatiente et qui est prête à y aller. Et nous aussi d'ailleurs, nous sommes prêts. Voilà, je vous rappelle que nous vous retrouverons cet après-midi aux alentours de 16h, 16h10 pour le début de la prochaine retransmission. The next live on FINA TV and then the French Federation of Swimming
la fédération ffnatation.tv, pardon, nous donnons rendez-vous aux alentours de 16h10 pour le prochain direct, 16h10 prochain direct pour les duos libres. Ce sera cet après-midi. Prize giving ceremony of the technical duet. Voilà, les duos techniques qui vont maintenant être récompensés. L'équipe qui a terminé troisième et qui va recevoir la médaille de bronze for the third place and for the bronze medal goes to Israel in a few seconds now. Israel with Shelly Bobritsky et Ariel Nassé. Third place for this team. Et la médaille est remise par Madame Dominique Cupillard pour cette médaille de bronze qui représente la Fédération française de natation. Dominique Cupillard qui est en charge de la natation artistique et qui connaît bien la discipline depuis de nombreuses années ici au sein de la Fédération et qui récompense donc l'équipe, le duo israélien pour cette troisième place avec 82.48. So you can see the Israel team for the technical duet, Shelly Bobritsky and Ariel Nassé. Third place and bronze medal. En deuxième position, deuxième place et médaille d'argent qui revient à the silver medal goes to Greece. Eleni Fragaki et Kristalenia Yalama avec 82.77. 82.77 for Greece, the second place and the silver medal. Et c'est Lisa Schott, the chairwoman of the FINA, qui remet la médaille à l'ensemble de l'équipe. Bien sûr, on salue également Evgenia Kromindaki, qui était la remplaçante de l'équipe. Voilà, Lisa Schott, chairwoman de la FINA, qui remet cette médaille. Et dans quelques instants, et on espère qu'on va entendre les applaudissements pour l'équipe qui va remporter cette catégorie des duos techniques. And the gold medal goes to for the technical duet of the French team, Orlan Jaillardon et Romane Lunel, qui remportent la victoire en 83.7. 83.7. For the French team and the gold medal. Et c'est Brent Nowitzki, directeur exécutif de la FINA, qui remet donc ses médailles d'or à l'équipe française. Bravo à cette belle équipe française. On le rappelle, hein, malgré l'adversité avec le Covid qui a touché l'équipe française, qui malheureusement n'a pas pu aligner les duos seniors et les duos français et les duos juniors. Eh bien, c'est les plus jeunes, coachés par Marie Henquin, qui ont remporté la victoire. Bravo à elles. Elles envisagent surtout des belles performances en junior. Eh bien, déjà, là, elles se frottent au plus grand. Et en participant à cette compétition, eh bien, c'est un très bon exercice pour elles. Bravo à elles. Félicitations. Et nous allons donc pouvoir nous lever et écouter l'hymne national de la France pour ce premier podium. Ça commence très bien pour l'équipe de France ici, dans ce cadre des Artistic Swimming World Series Open de France Paris 2022.
Et voilà, et la première Marseillaise qui entame bien ses Artistic Swimming World Series ici dans le cadre de l'Open de France avec Oriane Jaillardon et Romane Lunel, voilà, qui vont donc pouvoir célébrer ce beau résultat. Bravo à elles, félicitations. Et puis nous, eh bien, il ne nous reste plus qu'à vous saluer, vous remercier de votre présence sur ffnatation.tv et FINA TV, en vous donnant rendez-vous donc à 16h10 pour les duos libres. Prochain programme, duo libre à 16h10, en direct bien sûr, avec les commentaires de Virginie de Dieu. Voilà, excellente journée à vous tous et à vous toutes. Bonne continuation. On va laisser nos amies nageuses célébrer en faisant de belles photos et partager ce beau moment. Les autres sont déjà en train de se préparer et on se retrouve bien sûr à 16h10. The next competition will be start at 4:10 p.m. Today. So stay tuned on FINA TV. Restez connectés sur ffnatation.tv pour ne rien manquer. We will be watching on live this competition, the free duet at 4:10 today. This is the next appointment on FINA TV et c'est notre prochain rendez-vous sur la FF Natation. Voilà, à tout à l'heure. Merci de votre attention. Merci. Get more.